Bonjour, ici Danielle Gamelin, je suis directrice générale de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Nous sommes ici à Nicolet, juste en face de l'hôpital du Christ-Roi, qui appartient maintenant au CIUS Mauricie-Centre du Québec. Et je suis accompagnée de M. Jacques Blain. M. Blain est nicolétain et un athlète accompli, hein, un jeune homme de 74 ans, on peut le dire, Jacques? Ben oui. On peut le dire. Très en forme, je pense que c'est tout à son honneur. Et Jacques va nous présenter l'activité qu'il débute aujourd'hui, ce lundi 13 août. Alors Jacques, parlez-nous de votre projet. Bien voilà, Daniel, il y a des années que je marche au profit de ma santé et je me suis aperçu à un moment donné que je pourrais peut-être partager ça. Donc de là, ma page Facebook nommée « Un pas pour moi, la santé de tous », donc au profit de la Fondation ici. Alors j'entreprends un périple de 91 km qui va couvrir une large portion du territoire de la Fondation. Ce sera réparti en 7 étapes, 7 jours consécutifs de 13 km. Pardon, ce ne seront pas des jours consécutifs, justement pas, dépendamment de la météo et de nos agendas. Alors aujourd'hui, le 13, je quitte l'hôpital en direction du premier 13 km où ce sera le terminus, si je peux dire, sera chez un de nos partenaires importants, le Mouvement des Jardins, donc la Caisse des Jardins au domaine Godefroy, le voisin du restaurant Stratos. Alors, je souhaite à tout le monde d'être en forme longtemps, pour de saines habitudes de vie, c'est ce qu'on propage par ce projet, entre autres. Et puis, soyez généreux, souscrivez selon vos moyens, selon vos souhaits. Alors, on vous remercie d'avance et chaque matin, avant le départ de la nouvelle étape, je ferai une mini-vidéo de quelques secondes. Celle-ci est un petit peu plus longue, on voulait vous présenter le projet, etc. Alors, Daniel, ce sera pour votre travail que vous faites avec vos acolytes au CA, de façon très bénévole, évidemment, pour le bien-être de la caisse, de la Fondation, au profit des besoins de l'hôpital. Voilà. Bien, merci, Jacques, d'avoir pensé à nous, et bon périple. On se voit bientôt. Merci.